Alors, avoue que t'es jaloux. Avoue que t'es jaloux de ce swag, de ce corps magnifique. On adore. Ah ouais, avoue que t'es jaloux, hein. Avoue. Je te vois derrière ton écran, tu voudrais ressembler à ça. Tu voudrais, c'est trop beau, c'est magnifique. Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et citronner ton meilleur pouce bleu. Si t'aimes les histoires d'horreur, tu peux visiter ma chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur, le lien en description et en fin de vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel. Donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu. Bon les gars, un petit peu de tenue, là j'arrête de m'exciter. Et aujourd'hui, comme j'avais dit sur le live tout à l'heure, que cette nuit du coup j'allais faire une imitation du pack. Le pack il a changé, le pack il est devenu ça, vous inquiétez pas, vous allez le voir en version garçon. Moi étant donné que maintenant, ah merde, il faut que j'aille sur l'application du coup pour faire la version fille. Parce que je voulais vraiment le faire sur 15 ailes YouTube, mais finalement on va le faire sur Madame Toilette. Non, je vais faire sur 15 ailes YouTube, ça va m'obliger à faire une version qui n'est pas VIP, étant donné que je ne suis pas VIP sur 15 ailes YouTube. On va faire sur 15 ailes YouTube. Mais du coup, il va falloir que j'aille sur l'application pour pouvoir, tout simplement avoir accès au Shopping Fee, avec cette nouvelle nouveauté, qui est le but d'une nouveauté, c'est d'être nouveau. Et j'ai pris en screen la version Fee pour l'avoir en visuel, donc là où je vous montre. De toute manière, au montage, je rajouterai dans un coin cette image pour que vous puissiez toujours vous la voir. Moi, je la mets sur mon deuxième écran, les gars. Écoutez, je vais vite fait me connecter sur l'application de Movie Star Planet et c'est y part. Et me revoici sur l'application Movie Star Planet sur PC. Et comme vous pouvez constater, j'avais déjà montré en vidéo, nous avons donc accès à la mode fille et garçon, peu importe si nous sommes une fille et un garçon, et également à cette roue. Et merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire pour me dire qu'effectivement cette roue, on pouvait la tourner une fois gratuitement par jour, et même pour les non VIP, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas VIP. Donc tant qu'à faire, je vais le faire, ça va vous montrer un petit peu. Donc vraiment, prenez la plus, c'est toujours cool, hein. Après, bon, on va pas se mentir. Bon, le maxi 1000, c'est quand même pas mal, hein, parce que c'est quand même un petit peu plus qu'une salutation. Donc quand on tombe dessus, on est plutôt content. Bon, moi, j'ai gagné 500, c'est la deuxième fois que je tourne la roue, deuxième fois que je tombe sur du 500. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est mieux que rien dans tous les cas. Donc on va tout simplement faire... Bah écoutez, on va faire le look, c'est... T'y pars les gars. Je vais commencer par les cheveux pour changer. Je crois que d'habitude c'est jamais par là que je commence, mais là cette fois-ci on va commencer par les cheveux les gars. Bon les gars, j'ai trouvé cette coupe là et franchement je pense que en plus elle est pas VIP, on va difficilement trouver mieux que ça pour recopier le look. Et là je trouve qu'on est quand même pas mal ressemblant, j'ai quand même l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus longs. Mais bon, je suis quand même contente, on va rester sur cela bien évidemment. Pour avoir un meilleur visuel, on va mettre les couleurs que il y a dans le pack. Donc dans le pack c'est du blanc, donc on va mettre vraiment du blanc et ici également du blanc. Voilà, c'est juste qu'on n'aura pas les traits au niveau des racines, etc. Les petites élastiques, c'est cool, on peut laisser en noir et je vais déjà l'acheter pour pas le perdre. Donc déjà, on a la coupe. Et on va maintenant partir à la recherche du pantalon parce que... Non, on va chercher d'abord le haut parce que vu que le haut, il va cacher le pantalon, le manteau, eh bien, on pourra mettre un bas qui ressemble que en bas au pack et pas besoin de que le haut y ressemble, donc on va faire ça. On va aller chercher dans les hauts, les gars. C'est dommage parce que celui-ci ressemble quand même pas mal. On pourrait en tirer quelque chose, malheureusement, il n'est pas fermé. Il nous faut une veste fermée. Dommage, dommage, mais on retient l'option. Ok, rien trouvé dans cette section à part ceux-là. Il y a peut-être moyen qu'on trouve dans autre chose. Pull, veste, manteau, t-shirt et haut. Tous les hauts d'hiver, peut-être dans d'hiver. Peut-être. Ça c'est sympathique en vrai. Bon, je vais quand même le voir pour check.
Mais honnêtement, le souci, bah, c'est que tout simplement, c'est du VIP. Et nous, on veut des trucs qui ne sont pas VIP, messieurs, dames. Donc ça, on laisse tomber, on continue à chercher. Mais étant donné que dans divers, j'ai vu ça, peut-être qu'un peu plus loin, on trouvera quelque chose qui pourrait aller avec ce qu'on recherche. Eh bien rien non plus, là je commence un petit peu à désespérer. Je pense que dans les pulls, je sais pas si on va trouver quelque chose dans les pulls honnêtement. Mais là je commence un petit peu à désespérer, j'ai peur que dans les pulls on ne trouve rien. Donc je pense qu'on va se rabattre sur la première veste que j'ai vue, hein, tant pis, hein, elle est ouverte. Mais c'est le moins pire que j'ai trouvé, c'est le plus ressemblant. Après voilà, si vous avez les moyens, c'est peut-être plus intéressant de prendre cette veste là. En fait, c'est un sort de short, mais ça se voit pas trop, donc ça passe de toute façon. On va tester de changer les couleurs, déjà pour voir qu'est-ce que ça aurait donné. Au pire, ouais, ça, on le met en noir, regardez. Regardez, franchement, ça passe, hein. Et ça, c'est quoi? C'est la ceinture, elle est blanche et noire, mais il y a plus de blanc que de noir, donc on va mettre en blanc, tant pis. Même si je pense qu'en noir, ça serait quand même plus joli, mais bon... Au pire, on met en gris, mais en vrai, la ceinture, elle est noire et blanche, en fait. Elle est blanche avec la tache en couleur noire. Mais bon, voilà, si vous êtes VIP, je vous conseille plutôt cet objet-là. Donc, attendez, ça s'appelle comment? Crew Member 09. Donc, si vous êtes VIP, maintenant qu'il y a la recherche également sur l'application, vous pouvez taper ça pour le trouver et le prendre celui-là. Je le recommande plus que l'autre. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas VIP comme moi actuellement sur ce compte, eh bien on va se rabattre sur l'autre tout simplement. Donc c'était, il me semble, dans les vestes et manteaux à la page 7. On peut peut-être tester celui-ci. La couleur, on va voir. On va voir. Hein. En fait, ce qui me gêne, c'est le col et le fait qu'il n'y a pas d'ouverture sur la longueur. Ouais, ouais, bon. Je suis pas fan du tout, du tout, du tout. De ça, mais bon, je ne trouve pas mieux que ça. Mais bon, tant pis, on va partir sur cette veste là et on va aller chercher un pantalon. Je pense qu'un pantalon, on pourrait quand même en trouver un. Je pense qu'il y a moyen qu'on trouve un pantalon. Ça fait un pantalon style cargo et ça, il y en a. Maintenant, il faut en trouver un qui est sympa et qui n'est pas VIP. Et ce serait pas mal qu'un jour MSP ajoute une option sur Movistar Planet avec laquelle on pourrait désactiver, par exemple, les trucs VIP et les trucs diamants si on n'a pas envie de les voir dans notre liste d'affaires pour acheter. Celui-là me semble... Bah ouais, mais le problème, c'est que les ficelles, là, c'est pas ouf, les ficelles. On va mettre celui-là au cas où... Regardez, on voit mon caleçon en dessous, c'est trop drôle. Et parce que j'ai un corps d'homme, donc il n'y a pas tout qui match. Allez, on part à la recherche du fameux pantalon. Celui-là est cool, celui-là est vraiment cool. En plus, il y a des petits éléments noirs. Non, franchement, celui-là, je valide. Hein. 525 Star Coins, non VIP, parfait. Et on va aller chercher maintenant les chaussures. Alors les chaussures, je ne sais pas du tout dans quelle catégorie chercher, parce qu'on dirait la moitié basket, moitié bottes. Moitié ouverte, c'est vraiment un truc assez spécial. Ils sont assez spéciales ces chaussures-là, donc je sais absolument pas dans quelle catégorie chercher. Maintenant, voilà, de face, on verra pas la bandelette vu que le pantalon il est long. Donc, pas obligé de prendre la bandelette, donc je pense des baskets. Je pense que dans les baskets, on va pouvoir trouver quelque chose qui y ressemble. Bah ouais, en vrai la vérité c'est des... C'est les ink là qui ressemblent le plus, hein. La vérité, c'est le ink qui lui ressemble le plus, hein. Attends, on va chercher. Si je tape ink, genre, ça va me trouver tous les trucs ink. Mais en fait, les gars, je suis en train de penser à un truc. Alors déjà, je vais acheter ce look. Je suis en train de penser à un truc, vous allez voir. On achète tout, voilà. Maintenant, je vais aller dans la version mec, mode garçon. Comme maintenant, c'est accessible pour tout le monde. On va taper ink. Ouais, mais c'est un short. Je pensais que c'était peut-être un pantalon qui était long. Mais non. Attends, c'est vraiment le haut garçon, ça? Attendez, j'ai juste envie de tester. Attendez, c'est... Oh, mais ils se sont vraiment pas foulés, hein, pour les mecs, hein. Alors, vraiment pas foulés, hein. Je m'attendais quand même à mieux, hein. Et en ink, il y avait quoi? Il y avait rien d'autre, hein. Le haut, le short.
la casquette, et puis c'est tout. Ouais. Donc, non. Finalement, on va créer un look avec ça. Donc, on va aller dans création. On va aller dans look. Et je vais créer le look. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Ah oui, la dernière fois que j'ai fait, c'était le pack de novembre 2019. Ça fait quand même plus d'un an. Les gars, ça fait quand même plus d'un an que je n'ai pas fait de look de pack. Et ça, c'est le vrai pack. Et ça, c'est une imitation. On est d'accord? Ça, c'est une imitation. Ça, c'est le vrai pack. C'est pas une imitation. Voilà, ça, c'est une imitation. C'est ce que je suis particulièrement fière. L'imitation du pack de juillet, je crois que c'était 2019. C'était le pack Bratz. Et ça va, en vrai, je suis assez contente. Je sais pas comment... En fait, j'étais entrée à MSP, on peut pas acheter. C'est une fille, pas un garçon. Alors, est-ce qu'on considère ça comme étant le pack de janvier? On est le 28, donc on va marquer janvier 2021. Ça fait bizarre d'écrire 2021, les gars. Imitation de pack janvier 2021. Et on valide, les gars. Je verrai un petit peu ce que vous en pensez. Osez acheter ce look, hein, parce que franchement, il est pas fifou. En vrai, j'aime bien. J'aime bien ma petite bouille, là, mais elle est trop belle. J'ai envie de lui pincer les joues. Bon, et bien écoutez, pour cette vidéo, c'est tout. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Et ciao, ciao.